Bonjour monsieur Lam. Bonjour. Bah, j'espère que vous allez bien. Bien. Comment ça va Johnny? Bien et vous chef? Bon ma foi, ça va très bien. Bon il caille un peu là. Hein, c'est... Il fait un peu froid. On sent, mais sans lui en même temps c'est l'hiver. Hein, c'est l'hiver. Bon alors aujourd'hui on va faire le Paris-Brest. Paris-Brest. Praliné. Praliné. Alors le Paris-Brest, comme il a été fait il y a... En 2009 déjà. Bon, évidemment, il a un peu évolué au plus de depuis, mais là, on le fait vraiment comme il a été fait en 2009. C'est ça. C'est vraiment le Paris-Brest, Paris-Brest, genèse. Hein, Jenny, c'est vrai. C'est ça, exact. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par la pâte à choux. Donc, pour la pâte à choux, on a mis dans la casserole le lait, le beurre, le sel et le sucre. Parfait. On va venir... Nous, on a déjà fait fondre... Lait et eau. On a mis lait et eau. On va venir faire chauffer. Nous, on a déjà commencé un peu à faire chauffer. On va porter ça à ébullition. Et quand ça sera à ébullition, on va retirer la casserole et on va rajouter la farine. Absolument. Voilà. Et on va venir dessécher après sur le feu. Absolument. Donc voilà. Il y a plusieurs étapes dans la recette. Hein. Donc il y a un praliné, un craquelin. Nous, on a fait ça en amont parce qu'on... Vous parlez du praliné. Le praliné et le craquelin. Ouais. Le praliné, voilà. On ne va pas le faire devant vous. Il y en a pour 30 minutes. Voilà, hein. Il y en a pour 30 minutes. Évidemment. Et le craquelin aussi qu'on posera sur la pâte à choux. Donc c'est bien quand vous commencez la recette de commencer par le craquelin. Absolument. Et par le praliné après. Le praliné, le voilà. Voilà. Okay. Et vous dire simplement que c'est un praliné 60-40. Hein, on peut prendre un autre 60-40. Alors 60-40, je vais vous expliquer tout. Ouais. Alors là, on vient verser la farine T55 dans la casserole. Toujours faire ça hors du feu, sinon vous risquez de brûler la farine. Et on va venir dessécher après sur le feu. Ah, vous touchez au niveau du tapotage. On en fait assez souvent Vous au laboratoire. Étonnez, hein. Et puis un peu plus de quantité que ça. Un peu plus de quantité, je crois. Jenny va dessécher la pâte, c'est important de bien dessécher. Hein. De bien dessécher, de façon à ce que les molécules d'amidon gonflent bien et qu'on puisse ajouter l'eau après, l'eau qui se trouve dans les œufs, bien évidemment. Le praliné, 60-40, c'est-à-dire 60% de fruits secs, 40% de sucre. C'est ça. Et 50% d'amandes, 50% de noisettes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la panade. Absolument. À partir de ça, d'ailleurs, on pourrait faire des quenelles de brochet, plein de choses. Hein. Des gougères, voilà. Des pommes dauphines aussi. Des pommes dauphines, plein de choses. Voilà, on n'est pas obligé de faire que de la pâte à choux. Là, en l'occurrence, on va faire un Paris-Brest. Donc, c'est de la pâte à choux. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'eau qui s'évapore. Et puis là, on va dessécher. Vous voyez voir, Jenny va dessécher pas mal de temps, au moins 2 minutes, hein, facile, pour bien faire évaporer l'eau, hein, et faire gonfler les molécules d'amidon. C'est important. Hein. Alors évidemment, c'est la partie la plus difficile. La plus physique. Alors, comme moi, j'ai une main qui ne marche pas, j'en profite pour faire ça à Johnny, évidemment. Alors même s'il y a une boule qui se forme, on dit qu'à partir de ce moment-là, c'est prêt. Il faut continuer à dessécher. Il faut vraiment bien dessécher. Oui, parce qu'au bout de 30 secondes, la boule se forme. Bah oui, évidemment, donc, ça ne suffit pas. Et tout dépend de la quantité que vous avez. Plus vous en avez, plus vous desséchez. Exactement. Ah oui, c'est sûr, si vous avez 20 kilos de pâte... C'est bon, on va mettre ça au batteur. Alors on peut le faire à la main. On peut le faire à la main. Alors, on peut le faire à la main. Batteur, bon, on va le faire au batteur, ça sera plus rapide. Donc voilà, alors, on va le mettre au batteur. Vous avez les œufs qui sont là? On a les œufs qui sont là, qu'on a cassés préalablement et qu'on a passé à la passette. Absolument, battu et passé à la passette, voilà. Pour qu'ils s'incorporent plus facilement. Monsieur. Donc voilà, très important les œufs d'incorporer en plusieurs fois pour, mm-hmm. pour éviter de noyer justement l'amidon. Absolument. Et on a mis nous un tout petit peu plus de quantité au cas où si la pâte à choux est desséchée, oui. Et assez bien desséchée. Donc on y va. Alors, vous expliquez aussi que ça dépend aussi du taux d'humidité de la farine. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une humidité dans la farine, plus ou moins. Et donc, on peut avoir à rajouter un peu plus d'eau, qui est dans les œufs, bien sûr, un peu moins. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que la pâte à choux, c'est pas une science exacte. Hein. C'est pour ça qu'on met plus ou moins d'œufs. Une petite coquille s'est glissée dans la recette. C'est bien 125 g de lait et 125 g d'eau dans oui, la casserole. Oui, absolument. Et si vous mettez que du lait, vous aurez une pâte à choux un peu plus suave. Vous mettez que l'eau, elle sera un peu plus craquante. On met les deux, voilà, comme ça, vous mettez ce que vous voulez, bien donc évidemment. Voilà. Là, on est en train de faire tourner la pâte à choux. On va venir incorporer les œufs dans 2 minutes. On est en train de faire chauffer notre lait. On va faire la crème pâtissière pralinée. Pralinée, voilà, absolument. Donc, on est en train de faire chauffer notre lait. On va mélanger, en attendant, la maïzena, le sucre et les jaunes. Alors, attention, enfin, nous, on a fait que le maïs type maïzena, bien sûr. Il n'y a pas de farine. Attention, il n'y a pas de farine. C'est ça. Donc, on a le fouet, vous mélangez préalablement pour mais éviter de faire des grains. Je veux bien, chef. Ok, ça roule. Allez hop, bon, nous, on a une petite quantité là, alors on va bien sûr verser ça. On va pas prendre un saladier. Hein. Voilà, Jenny. Voilà, on va venir
On va venir tout simplement les mélanger sans trop les blanchir, bien évidemment. Voilà. Et on va venir délayer l'appareil dans le bol. Donc là, c'est en train de frémir. Très bien, bah, on peut y aller. On va venir verser le lait. Alors, il faut faire ça hors du feu, hein, bien hors sûr. Du feu, ouais. Toujours hors du feu. Et là, et on cuit. Reverse dans la casserole. C'est bon, je sais. Pas. Hop, on remet dans la casserole. J'ai pas de Gianni, je vais corner ce qu'il reste. Donc ça va aller très très vite, hein. À partir du moment où le lait frémit et que vous avez fait votre mélange, et vous remettez dans la casserole. La casserole est déjà chaude, donc faites attention à bien mélanger pour éviter que les œufs brûlent. Donc vous voyez, ça commence, ça épaissit déjà. Donc là, on va venir mélanger encore une minute ou deux pour que l'amidon explose. Voilà, ça c'est important ce que vient de dire Gianni. Il faut bien cuire pour que les... C'est toujours une question de molécules d'amidon, qu'elles explosent bien et que ce soit fin. Mais pas ce goût d'amidon pas cuit qui est vraiment pas bon. Hein. Attention à bien toujours mélanger, hein, pour éviter que la crème accroche, sinon vous risquez d'avoir un goût d'œuf qui est vraiment pas bon dans la crème. Il y a. Ah, tiens, j'ai pas. Voilà. Ouais, et là. Donc voilà, là c'est en train de bouillir. On a bientôt fini la cuisson. On va venir ajouter le praliné. C'est bon, Gianni ? Oui. On y va. Vas-y, chef. Donc là, hors du feu, on ajoute le praliné et la gélatine. Et la gélatine. Et je vais vous sortir le beurre qui est au congélateur. Donc nous, on a la gélatine de poisson. Vous pouvez mettre de la gélatine de cochon, de bœuf ou de poisson, bien évidemment. Voilà. Et... Oh, merde. Donc là, je vais ajouter mes œufs en plusieurs fois. Voilà, et là on mélange le praliné, la gélatine. Vous laissez faire, Gianni, parce qu'avec maman, c'est compliqué. Tenez. Hop, attendez, on va faire ça. Et ensuite, on va ajouter le beurre. Il y a, c'est parti. Voilà, et on va bien, et après on va prendre le mixeur et on va mixer pour bien émulsionner. Absolument. Voilà, en fait, et le fait de bien mixer, si vous n'avez pas de mixeur, c'est pas grave, mais c'est mieux, ça permet, un, d'émulsionner, comme dit Gianni, et deux, donc d'incorporer l'air, et deux, d'affiner, hein, encore une fois, un peu plus les molécules d'amidon. Voilà. Ça va, vous voulez un petit peu de vin, Gianni ? Ça va, chef. Hop. Donc voilà, on va rentrer le mixeur. Alors, il y a marqué « possible de nous donner les ingrédients », c'est ça, Marielle ? Alors, les ingrédients, pourquoi ? Pour tout ? Toute la recette. Alors, la recette, elle est déjà en story sur Instagram. Alors là, on fait la crème pralinée, donc on a du lait. Je vais le faire à côté. On a du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, de la fécule de maïs, du praliné, de la gélatine, du beurre. Voilà, ça, c'est ce qui compose la crème pralinée. Pour la pâte à choux, c'est pas compliqué, on a du lait, de l'eau, du beurre, du sel, du sucre, pardon, de la farine de type 55, et puis on a des œufs qu'on ajoute à la fin. Le craquelin, encore une fois, on répète, on va pas le faire devant vous, parce que ça, c'est enfantin, et le praliné, voilà. Évidemment, on peut pas le faire, il y en a pour 30 minutes. Je leur fais voir la couleur que bien ça sûr, doit évidemment, avoir. Évidemment, évidemment. Donc voilà, ça a blanchi, hein, comme vous le voyez, c'est dû à l'émulsion et au beurre. Donc voilà, on va venir débarrasser ça, on va filmer au frigo. L'idéal, c'est quand même de le faire la veille. Hein. Oui, après, on peut le faire le matin. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça. Oh là. Oh, c'est bon. Hop. Bien filmer au contact, hein, c'est important. On va faire filmer. Je vais filmer ça à côté. C'est important, bien filmer au contact. Donc voilà. Quelle est là, je vous avez une question, Mariam ? Quelle est votre meilleure technique pour faire le praliné ? La technique, la bonne technique, il n'y en a qu'une, c'est surtout pas celle de faire, torréfier des fruits secs au four et de mettre du caramel dessus. Ça, c'est rapide, c'est facile, c'est pratique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt en termes de goût, aucune profondeur de goût, et c'est la plupart du temps trop sucré, sauf si on met, bien sûr, beaucoup, beaucoup de fruits secs et qu'on met très peu de sucre. Mais là... C'est encore une autre histoire. Non, il faut faire un sirop qu'on cuit autour de 116. On met les fruits secs dedans et puis après, on fait masser le sucre, ça devient de la poudre et ensuite ça caramélise. C'est comme ça qu'on fait le praliné. Et qu'on fait du bon praliné. Pourquoi filmer au contact ? C'est pour éviter qu'il y ait de la croûte qui se forme. La pâte à choux est bientôt faite. On va vous montrer une technique de... Comment dire ? De pochage.
Vous voulez qu'on... Ouais, on va leur faire voir les... Je vais... Pchut, juste pour coller le pochet. Oui. Je sais pas la où est la bombe à glace. Là ? Ah non, dans celui-là, d'accord. Il y en a pas. Attendez, on cherche la bombe à graisse. Ah, là, là, c'est bon, c'est bon, là-bas. Alors, on va vous montrer une technique de pochage très facile. Vous faites un rond. Le rond, il fait combien de diamètre 16 cm de diamètre. Il fait 16 cm de diamètre. Ah, absolument. Et vous voilà. Faites, en fait, vous faites une croix pour avoir les quatre points cardinaux. D'accord ? C'est ça. Bien sûr, le côté où on a mis le crayon. Il faut retourner. Hop, on le retourne. Voilà. Et pour que ça tienne bien, on va, bien sûr, mettre un peu de graisse. Mettez du beurre, ce que vous voulez, de l'huile, ce que vous voulez. Hein, bien sûr. Ça, c'est la bonne graisse. Nous, on a pris des cercles de 5 cm. Voilà, qu'on a tracé à l'intérieur du cercle. Absolument. Voilà, comme ça, il ne bouge pas. Voilà. C'est parfait. Là, je vous fais voir la texture de la pâte à choux. Donc, encore une fois, voilà. Une belle pointe. Ça fait une belle pointe, regardez. Ça colle. Voilà, une belle pointe. Ça, c'est top. Quand vous avez une belle pointe, c'est que votre pâte à choux, elle est parfaite. Gianni, je vous laisse pocher. Ouais, je vais mettre ça en poche. Vous pouvez juste dire la taille de la douille, s'il vous plaît, Gianni. Alors, il y a deux douilles. Donc, il y a la 22 pour la pâte à choux, et il y a la 22, pardon, pour la crème, et la 20 pour la pâte à choux. Parfait. Voilà. Oui, ça va vite. Hein. Voilà. On avait bien sûr fait toutes les pesées. Mais vous voyez, la pâte à choux rapidement. La crème est assez rapide à faire. Bien sûr, la crème, on a déjà fait une. Jenny en a fait une, ou Hélène. On a foisonné il y a une heure. On a foisonné une première fois avant le live. Et qu'on va foisonner une deuxième fois. On va vous expliquer tout ça. Et bien sûr, vous dire que vous retrouverez la recette rapidement après le live sur le site internet. Vous pourrez la télécharger, bien évidemment, en PDF du site internet. Mais vous pouvez retrouver également le live sur Instagram, en replay, aucun problème, hein, sur le site. Il n'y a aucun souci là-dessus, bien sûr. Bon, j'ai fini. C'est bon. J'enlève. Allez, je laisse Gianni. Donc on va commencer par les extrémités et on finira par les... Alors, juste si vous permettez, Gianni, excusez-moi. Vous avez les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ouest-Est, excusez-moi. Et ce qui va vous permettre, vous allez voir cette technique de pochage, de ne pas louper en fait. Allez-y, Jay. Ouais. Donc on va commencer par là. Alors le nord. Le sud. Le sud. L'ouest. Et l'est. Parfait. Et au milieu, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc c'est normal hein, si vos cercles se touchent quand vous faites le patron, tout simplement. Elle est bien lisse, votre pâte à choux. C'est bien. Merci, chef. Super. Donc voilà. Voilà, là, c'est fini. La pâte à choux est finie. La pâte à choux est finie. Mais, il manque une chose. Il manque une chose, c'est le craquelin. Alors, craquelin, on l'a déjà fait. Hein, c'est du beurre, du sucre, de la farine. Donc, ça, c'est ultra rapide. On peut utiliser de la cassonade aussi, en l'occurrence. On peut utiliser de la cassonade. Voilà. Juste dire une petite chose, Denis. Aujourd'hui, quand on le fait, on met plein de fruits secs dessus, on fait un mélange de plein de choses. Là, on le fait vraiment comme en 2009, hein, d'accord? C'est ça. Sans gélatine, le résultat sera comment ? Alors la gélatine, elle sert à gélifier, mais elle sert aussi à émulsionner. On va vous l'expliquer tout à l'heure. Jenny, à vous jouer. Ouais. Je vous laisse. Donc voilà, on a détaillé des cercles plus petits, hein, évidemment, puisque la pâte à choux gonfle et le craquelin s'étale. Donc si vous faites des croissants beaucoup trop gros, ça risque de justement enrober tout le chou et que ça ne développe pas. Absolument. Voilà. Merveilleux. Voilà, on va enfourner ça du coup. Oui. Alors à combien de jeunes? Alors on va enfourner ça à 170 avec un four ventilé. Mm-hmm. Enfin, nous on a un four ventilé, c'est toujours mieux pour la pâte à choux. Mm-hmm. Pendant 45 minutes. Encore une fois, on le redit à chaque fois, c'est tout dépend de vos fours. Nous ça va être 45 minutes. Voilà. Alors 170, on considère qu'on est à la maison. Hein. Vous aurez un four ménager bien évidemment. On ne parle pas d'un four de professionnel. 170, 45 minutes. Alors 45 minutes, c'est un calva hein. Chez vous, ça peut être 42, 44, 48, 47, 46, 45, voilà. Hein. Ça dépend du four. On a tous des fours différents, bien évidemment. Même à la maison. Donc voilà. Alors là je vais vous expliquer. Alors, donc là, on a déjà la crème pâtissière qu'on a foisonnée une première fois, la crème pâtissière pralinée. Alors, vous permettez un petit mot. La crème pâtissière, elle a été faite, mise au frigo, et elle est restée une douzaine d'heures au frigo. Vous pouvez la faire la veille pour le lendemain, comme a dit Jenny tout à l'heure. C'est encore mieux. Ensuite, vous avez une cuve bien froide, regardez, bien froide, un fouet bien froid. Vous mettez la crème, bien froide évidemment, dans la cuve bien froide, avec le fouet bien froid. Et vous foisonnez pendant une minute et demie environ, à peu près, à fond la caisse. Et là,
C'est pour ça qu'il y a de la gélatine. On m'a posé la question tout à l'heure. Hormis le côté gélifiant, la gélatine animale, uniquement animale, pas végétale, elle a deux pouvoirs, pouvoir gélifiant et un pouvoir d'incorporation d'air phénoménal. Quand on incorpore rapidement l'air dans un univers bien froid, c'est-à-dire une crème, une cuve et un fouet bien froid. D'accord ? Et on foisonne une première fois, ce qu'a fait Jenny avant le live, et une deuxième fois, 3-4 minutes après. D'accord ? Allez, voilà. Jenny, enfin nous, on l'a déjà fait. Il faut faire attention à ne pas non plus trop la foisonner, parce que sinon, ça risque, la crème risque de trancher aussi. Absolument. Donc on va foisonner. Chaleur. Là, le deuxième foisonnement, Jenny, dit combien de temps ? Une minute. Voilà. Une minute à fond la caisse pour le deuxième foisonnement. Pareil pour le premier. Une minute et demie max. Le craquelin, alors l'épaisseur du craquelin, c'est environ 2-3 mm, hein, pas plus. Assiette, mettez une assiette. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un autre praliné ? Pistache, bien sûr, évidemment. Là, on fait le praliné, le Paris-Brest, de base, hein, à la noisette, à l'amande et noisette. Moi, je fais amande-noisette. Hein. Parce que pour plein de raisons très personnelles, mais là, c'est trop court pour un live pour vous expliquer tout ça. Est-il difficile de revisiter un monument en pâtisserie comme le Paris-Brest ? Quand je l'ai fait en 2009, ça m'a demandé 3-4 mois de travail. Oui, c'est pas simple, mais en même temps, il faut respecter les marqueurs, ça c'est important, hein, les marqueurs de goût et globalement visuels, même si là, la couronne a été un peu travaillée. À vous de jouer, Jim. Donc voilà, là, on l'a foisonné, comme vous pouvez le voir, donc elle a blanchi, hein, bien évidemment, le beurre qui a émulsionné et l'air aussi qu'on a incorporé. On va venir mettre ça en poche et ensuite, on viendra dresser le Paris-Brest. Parfait. Là, le dressage, on a tout préparé bien évidemment, Gianni va vous montrer ça. Alors, tout à l'heure, Gianni a coupé le Paris-Brest entre deux règles. De 1 cm et demi. Voilà, comme ça, 1 cm et demi. Comme ça, vous pouvez vous appuyer avec le coude aussi sur les règles, de façon à avoir quelque chose de régulier. D'accord ? Pas une obligation bien sûr, hein, mais c'est plus régulier. Donc des règles d'un centimètre et demi de hauteur. Donc on a déjà coupé le chapeau. Un demi. Oui. Alors je vais vous laisser l'enlever, ouais, ça vous dérange pas. Parce que moi avec ma main, j'ai toujours une main qui ne marche pas bien. Hop. Je vais faire une bêtise. Faut y aller très délicatement quand même, c'est un peu fragile. Oui. Après ça ne se verra pas quand on va remettre la crème. Voilà. Alors une petite précision. Alors d'abord on va mettre... On met un petit coup de praliné, Johnny. Oui, un petit peu de praliné. Alors, en 2009, normalement, il n'y avait pas de praliné au fond. Là, on va en mettre un petit peu. Il n'y avait pas de fruits secs, non plus. On va en mettre un petit peu. Voilà. Donc là, un petit fil de praliné. Vous en mettez un peu partout. Hein. En gros, c'est pas con. C'est du beurre doux. Hein. La recette, c'est avec du beurre doux. Pourquoi un craquelin ? Pour avoir cette texture-là, qui est très particulière, qui donne une structure un peu craquelée. C'est pour ça qu'on appelle ça un craquelin. On foisonne au fouet. Et là, on met un peu de fruits secs, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, je répète, en 2009, il n'y en avait pas. Voilà. D'ailleurs, dans la recette, il n'y en a pas. Le praliné, d'ailleurs, il n'y en a pas non plus au fond. Ah, c'est moi qui demande à Jenny de le rajouter. Allez-y, Jenny. Donc voilà, on va commencer par le dressage. Donc on va mettre un peu de crème partout et on viendra incorporer après les inserts pralinés qu'on a fait en amont. Alors les inserts ont été mis en demi-sphère, dressés en demi-sphère et congelés. Regardez bien ce que fait Jenny. La technique, c'est celle qu'on faisait en 2009. Hein. Aujourd'hui, on l'a un petit peu changé, la technique. Mais là, on est toujours sur le Paris-Brest, encore une fois, de 2009. Voilà. Voilà. Elle est d'une couleur, cette crème, elle est incroyable. Elle est légère, elle est fondante, elle est foisonnée. Elle est incroyable. C'est bon. Voilà. On va prendre les demi-sphères. On va venir faire une sphère en entier. Et on va venir les mettre juste au milieu, tout simplement. Je vous laisse faire ou vous voulez que je vous aide ? Comme vous voulez, chef. Allez. Ah, c'est mon chef, hein. Moi je vous suis. Hein. Je pense que j'en ai fait un paquet. Ah oui, je vais bien vous croire. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Donc voilà, les demi-sphères sont mis et on va venir par-dessus remettre la crème, tout simplement. Voilà. Ça, c'est vraiment la technique 2009. Alors, la dimension des demi-sphères, les petits moules en forme de demi-sphère, c'est 2 à 3 cm de diamètre maximum. Voilà. Et comme ça. Alors attention, le praliné en congelé comme ça, il décongèle très oui, vite. Oui, très vite. Ouais. Donc il faut le mettre, il faut faire ça très rapidement. Quelle est la meilleure cuisson pour les choux, Johnny ? Chaleur
tournante si possible. Alors, chaleur tournante, en tout cas pour les Paris-Brest. Après, concernant les éclairs, c'est quand même mieux une chaleur statique. Nous, les éclairs, on les cuit par exemple au four à sol. Bon, je sais que chez vous, vous n'avez pas de four à sol. Et c'est très compliqué de faire des éclairs dans un four ménager. Donc voilà. Alors, attention, les fruits secs, il n'y en avait pas en 2009. Et il n'y en aura pas sur la recette. Hein. C'est moi qui ai demandé à Gianni qu'on en rajoute, mais normalement, il n'y en a pas. Donc, il est fini le Paris-Brest. Hein. Le Paris-Brest est fini. Par contre, on va attendre un petit peu que le praliné décongèle évidemment, hein, parce que là, il n'est pas décongelé. Mais vous voyez, tout était prêt en termes de pesée et tout. Mais c'est quand même extrêmement rapide. Quoi. Voilà, regardez, un petit peu de codinège. Un petit peu de codinège qui est juste derrière. Ah, vous l'avez, d'accord. Et le tour est joué. Allez-y, je vous en prie. Regardez comme c'est beau. Voilà. Partout, codinège partout. Et voilà. Codinège, sucre glace, évidemment. Donc, ça, c'est un Paris-Brest pour 8 personnes. Absolument. Après, vous pouvez le faire en 6, en 4, comme vous voulez, s'il y a des gourmands ou pas. Eh, sans déconner, ça le fait, hein. Ouais. Eh, hein, ça le fait, hein. Alors, le mélange, nous, c'est lait-crème pour la pâte à choux. Vous faites ce que vous voulez, ou lait ou crème. Au lait, pardon. Au lait. Je raconte. Au lait, vous faites ce que vous voulez, ou de l'eau, ou du lait, ou les deux. Voilà, 100%. Eh ben, disons, c'est vachement bien. Alors, on va attendre. Quelle heure il est, Jenny? Vous avez... Non, j'ai pas l'heure. Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît? Il est midi 22. On va attendre 2-3 minutes pour que le praliné décongèle. Puis après, on va le goûter. On va le goûter. Eh, hey, ça le fait quand même. Hein. En attendant, on peut dire que samedi qui arrive, il y a le bar à Rolls à Annonciation qui ah, recommence. Alors, le bar à Rolls, c'est quelque chose quand même. Parce qu'il y en a eu pas mal de vendus. Il y en a eu, ouais, il y en a eu 500 de vendus samedi dernier. Et il y avait une queue à la rue de l'Annonciation, c'est hallucinant. C'était hallucinant. Ah, incroyable, il y avait une queue, mais alors... Mais ça allait très très vite. Oula. Parce que c'était du click and collect, dont ouais. Les gens ont commandé, ils sont venus chercher leurs Rolls, qu'on préparait minute devant eux. Alors, ce sont qu'on les a appelés les Rolls. Parce qu'on les croissants Rolls. Voilà, c'est ça, croissant Rolls, parce que New York Rolls, on ne peut pas le dire. Donc, croissant Rolls, voilà. De toute façon, peu importe le titre, le nom, c'est pas bon du tout. Hein. Alors là, je pense que le praliné n'est pas décongelé. Je pense pas non plus, donc on va être obligé de couper, mais le praliné n'est pas décongelé. Mmh. On aurait peut-être dû les sortir un petit peu avant. Petit peu avant. Là, on l'a joué un peu trop sûr de nous. Là. Bon, on peut quand même déjà couper. Allez, allez-y, je vous en prie, coupez. Ouais. L'intérêt, c'est ça, c'est que chacun a sa petite part. Enfin, moins que vous soyez deux à manger. Il n'y a pas de jaloux. Bon, déjà, vous voyez la crème. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, si vous pouvez, hein, ne mettez pas le Paris-Brest au frigo. Ne le mettez pas au frigo. Oui, c'est mieux. Hein. Et pour le manger, alors, je répète, là, je crains que ça ne coule pas parce que c'est encore plus joli. Mais le mieux, voilà, c'est ça. Vous enlevez le chapeau, clac. Ça ne coule pas. Hein. Mmh. Non, je sais pas, mais je pense que non, ce n'est pas décongelé encore, Jenny. Hein. Voilà, ça commence à peine à décongeler, regardez. Ah bah, j'ai fait, il en manque un bout. Évidemment, vous l'avez gardé sur le couteau. Ça commence un peu. Voilà, vous pouvez montrer aux gens, s'il vous plaît, Jenny. Bon, il n'est pas tout à fait décongelé. Non, il n'est pas décongelé encore. Mais quand ça sera bien, ça va couler. Ah bah, quand c'est décongelé, ça coule grave, quoi. Comme disait quelqu'un. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà goûté, je vais vous dire la vérité. Je vous laisse goûter, Jenny. Oui. Vous dites aux gens comment vous trouvez. Moi, je connais, je sais que c'est très bon. Hein. Non, c'est pas bon. Je commence à le connaître aussi, mais on va quand même en goûter. Donne-moi un livre, s'il vous plaît. Jenny. Un peu froid. C'est un peu froid. Ouais, le praliné n'est pas décongelé. Je veux juste vous dire un petit mot, même si vous le savez déjà pour ceux qui me suivent. Hein. Mon livre est sorti le 26 octobre dernier. Pas bon du tout. Voilà. Bah, écoutez, merci parce que vous lui avez réservé un accueil formidable et j'en suis très heureux. Vraiment. C'est un livre qui me tient énormément à cœur. Pas bon du tout. Enfin, pas bon du tout. Très très bon. Et c'est top. Hein. C'est top. Ah, je suis vachement content. Beaucoup de recettes de salé. Oui, salé sucré. Bon, je ne vais pas offrir à Jenny parce que je ne l'aime pas, mais sinon. pas bon du tout. Là, et pour en revenir au Paris-Brest, du coup, la crème est extrêmement aérée, c'est très très ouais, bon. Le praliné aussi, c'est pas trop sucré. Et puis moi, j'aime beaucoup les fruits secs qu'on a mis au-dessus, ça apporte vraiment un croustillant en plus. Ouais. Une texture. Non, c'est top. Hein. La recette. Alors, la semaine prochaine, on va faire un tiramisu. Tiramisu, pas bon du tout, comme d'habitude. Tiramisu. Philippe, quand tu finis, Gianni Spadafora. Parce que, italien, d'origine. Les deux. Les deux. Gianni Spadafora. Eh. Donc, tiramisu. Tu me le donnes ce chèque quand je te coupe la carotte. En fait. Ok, tiramisu pour la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on peut voir, on peut retrouver les recettes, la recette, sur le site internet. On peut. En replay aussi. En replay, on peut télécharger la recette en PDF. En PDF. Du site internet, et puis on peut voir en replay sur Instagram, enfin, un peu partout, comme ça, YouTube, vous etc. Suivre, vous pourrez suivre. Absolument. Et puis, vous verrez Jenny, et puis moi à côté, parce que j'ai pas fait grand chose, c'est Jenny qui a tout fait.
monter le Paris-Brest, comme il a été fait en 2009, sauf les fruits secs qu'on a rajoutés, qu'on n'avait pas mis, et puis et praliné au fond, voilà, qui n'était pas, qui serait pas dans la recette, mais ça, vous faites comme vous voulez. Gianni, merci beaucoup. Chef, merci à vous. C'était ce qu'on appelle un live bien rythmé et bien mené. Merci beaucoup, c'est ce Gianni. Qu'on aime. C'était super chef, top. À mercredi. Bravo. Prochain. À mercredi prochain et pour bonne le tiramisu avec Gianni Spadafora et Philippe Conticelli. Salut Gianni. Au revoir. Un gros bisou, bonne semaine, pâtissez bien, éclatez-vous. Ciao, bye.